Et voilà, eh bien je vous fais le retour matériel sur cette rando raquette avec bivouac. Du coup, si vous n'avez pas encore vu la présentation de matériel, je vous mets le lien en haut pour la vidéo du sac que j'ai fait avant de partir. Et voilà le retour d'expérience. On va attaquer sur la partie tente directement. La tente, du coup, c'était ma Hornet 2P qui est une tente 3 saisons, donc a priori pas adaptée pour les conditions hivernales. Sauf que là, la météo annonçait clairement soleil, pas de vent, voilà, donc c'était assez fiable. Et on n'a également pas eu du tout d'humidité, donc ça c'était vraiment cool aussi. Donc la tente, nickel, pas de souci là-dessus. Au niveau des ancrages, j'ai utilisé les sardines à l'horizontale, au lieu de les planter, je les ai un petit peu enfouies sous la neige. Et du coup, ça fait un corps mort efficace. Vous pouvez faire ça aussi avec une branche si vous voulez pas porter trop de sardines. Voilà, peut-être ça aurait été intéressant que j'ai quatre grosses sardines des longues pour pouvoir en faire aux quatre angles de la tente et utiliser une seule sardine pour la partie moustiquaire et la couche supérieure. Parce que là, du coup, j'ai utilisé deux sardines à chaque fois, j'en ai utilisé pas mal. C'était pas très optimal sur ça, mais bon, voilà. Après, voilà, elle pèse que 1 kg, donc j'étais pas à 4 sardines près aussi. Voilà pour la tente. Le tapis de sol, ouais, j'ai quand même vu la différence avec celui que j'ai l'été, hein. Là, j'étais sur la neige et j'ai pas eu froid. J'ai pas eu de sensation de froid. Voilà. Donc, je pense qu'il est vraiment cool. J'avais mis dessous ma tente. Une couverture de survie réutilisable, elle est un petit peu plus épaisse que les autres. Je ne sais pas si ça a fait gagner en termes d'isolation, mais honnêtement, ça peut-être que je m'en passerai, ou alors je vais peut-être juste découper une partie que je mettrai sous le matelas dans la tente pour ajouter l'isolation, mais peut-être pas m'embêter à mettre ça sous la tente. Là, ça va, il n'y avait pas trop de vent, mais s'il y a du vent, c'est pareil que le Polycrée l'été. Ça fait une manip en plus à l'installation qui est un peu pénible. Donc ça, je pense que je m'en passerai, d'autant que cette couverture de survie, elle fait dans les 200 grammes. Donc ça me fera gagner du poids aussi. Voilà pour la partie tente et isolation du sol. Niveau duvet, alors je me suis mis dans le Spark 3 qui est un moins 2 confort. Celui-là. Et il est bien bon gonflant. Au début, du coup, quand je me suis couché, il faisait dans les moins 2, entre 0 et moins 2 dans la tente. J'ai même eu chaud à un moment donné. Du coup, au départ, je m'étais couché. En fait, je me suis couché avec les habits que j'avais dans la journée parce qu'ils étaient complètement secs. Du coup, je ne me suis pas changé. Donc, j'avais une couche, première couche manche longue mérino. J'avais ça. Et j'avais aussi la polaire, donc ça c'est les vêtements que j'avais la journée. Une polaire assez fine. Hein. Et ben, au bout d'une heure, quand je me suis couché, j'ai commencé à avoir chaud, donc j'ai enlevé la polaire. Et j'ai gardé que celui-ci. Et sur le bas des pieds, j'avais déjà installé en fait mon kilt. Qui, vous voyez, sur le bas du kilt, il y a la footbox là. Donc j'avais mis les pieds là-dedans aussi. Donc j'avais le duvet plus ça. Et à 5h du matin, j'ai eu envie de faire pipi. Et c'est là où la température était la plus basse. On était à moins 4,5. Donc j'ai rajouté le haut du kilt par-dessus moi aussi. Et j'ai fait pipi. Parce que pour rappel, quand vous avez envie de faire pipi, votre corps il gaspille de l'énergie à réchauffer votre urine. Et du coup, c'est souvent pour ça qu'on a froid à ce moment-là de la nuit, quoi. C'est déjà le moment le plus froid. Et en plus, notre corps, il n'y a plus aussi la chaleur de l'alimentation du soir. Donc voilà, c'est le moment le plus critique, quoi. Donc au final, duvet, limite, j'aurais pu peut-être prendre que le Spark 3 et me couvrir un petit peu plus, par exemple, en rajoutant la polaire dans la nuit. Je pense que ça aurait passé. Après, voilà, il a fait que moins 4,5, donc si on aurait été sur du moins 10, je pense que là, il aurait fallu que j'aie les deux. La météo, elle annonçait moins 6
à la ville d'Autran, et nous on était un petit peu en dessus à 400 de plus, 400 mètres de dénivelé de plus, donc normalement ça aurait pu descendre jusqu'à moins 10, mais au final dehors il a fait moins 7, et dans la tente moins 4 et demi. Donc voilà, la tente ça fait gagner quand même quelques degrés aussi. Avec une tente 4 saisons, j'aurais gagné encore 1 ou 2 degrés, je pense. La doudoune, ben franchement, le top, le soir, là, j'ai pas eu froid du tout. On est resté un bon moment. Hein, à partir de 5h, il a fait nuit. On est resté jusqu'à 21h dehors. J'ai pas eu froid du tout. Nickel. C'est vraiment du bon matos. Hein. Ben, Simon m'a calu. Donc voilà, franchement, ça prend 4 litres. C'est pas énorme, hein, elle se compresse bien. Et c'est quand même de bonne qualité et bien chaud, quoi. Donc, je suis assez content de ça. Elle me servira pas très souvent, mais je sais que quand j'ai besoin d'avoir une grosse doudoune, j'ai. Voilà. La pelle, ben, indispensable. Comme vous avez vu, on a fait des sacrés tranchées, aménagements, on s'est bien amusé. Bon, si vous faites que poser votre tente et repartir à la rigueur, il n'y a pas trop besoin. Sauf peut-être un peu pour les sardines, surtout le matin quand c'est un peu gelé pour les redéterrer. Mais vous pouvez aussi apporter quelque chose de moins lourd, moins encombrant. Le side pad, honnêtement, c'était un peu juste. C'est où j'ai eu le plus froid en étant assis sur le camp. Donc peut-être j'aurais peut-être intérêt à apporter en fait sur un plus gros de le couper en deux. Et au moins j'aurai une épaisseur de faire quelque chose en double, au moins comme ça, et plus grand quoi. Donc peut-être optimiser ça. Et d'ailleurs, peut-être qu'au lieu de découper de la couverture de survie, ben après je réutilise celui-là pour le mettre sous le matelas. Ça peut être le mieux hein, à faire. Donc je pense que je partirai sur ça la prochaine fois. Petite gourde pour faire pipi. Ben voilà, 5h, j'ai eu envie de faire pipi. Et au lieu de sortir de la tente, j'ai fait dans la gourde. Franchement, c'était assez confortable. C'est pas indispensable, mais bon. Là, on avait des bonnes conditions météo. Mais franchement, à 5h, si dehors il pleut ou il neige et qu'il fait moins 5, quand même bien appréciable d'avoir le petit gobelet dans la tente. La nuit, ben, j'avais mis le bonnet aussi. Et du coup, au début de la nuit, j'avais pas mis la capuche. Je l'ai mise pareil à 5h du matin, j'ai rajouté la capuche. Mais sinon, juste avec le bonnet, ça allait. Voilà. Au niveau des habits, Hop là. J'avais mes petits chaussons là. Ça c'était bien cool. Le soir, ouais, j'ai pris froid quand même. J'avais un des deux pieds qui avait un peu froid. J'ai mis après, une fois que j'étais dans la tente, j'ai mis une bonne heure avant qu'il se réchauffe. Pourtant, je le bougeais, etc. Et j'avais chaussettes plus ça plus les deux duvets quoi sur les pieds. Et c'est vrai que moi, la circulation sanguine au niveau des pieds est pas terrible quoi. Donc j'ai eu besoin de tout ça. En tout cas, ça c'est bien cool. C'est pas très lourd. J'étais content de les avoir. En bas, j'avais mis le petit pantalon polaire, mais j'avais aussi les chaussettes Monet Grand Duras qui montent jusqu'en dessous des genoux. Donc à la limite, j'aurais pu faire avec des chaussettes et quelque chose de plus court que ça, peut-être juste pour les cuisses, quoi. Voilà. Ce haut, du coup, je m'en suis pas servi vu que j'ai gardé celui que j'avais dans la journée. Voilà. Là où j'ai porté pas mal le poids, bah, c'est au niveau des thermos. Honnêtement, j'aurais peut-être pris que le petit, ça aurait été bien. À savoir que du coup, bivouac hivernal, vu que vous avez de la neige, vous avez de l'eau à volonté, vous avez votre réchaud, donc vous pouvez chauffer à gogo. Donc ça change beaucoup de l'été, le fait d'avoir de l'eau comme ça à dispo tout le temps. En fait, j'ai apporté trop, quoi. J'ai pris trop, c'est comme l'été, au début je prenais trop d'eau. Donc là, j'ai apporté trop de contenants et trop d'eau. Donc prochaine fois, je pense que je pars sur 1 litre et le petit thermos et ça sera suffisant. Le thermos c'est cool parce que le matin vous faites chauffer de l'eau, après vous pouvez partir avec, au moins vous avez pendant la journée de l'eau chaude sur vous. Mais limite on peut s'en passer aussi, on peut tout à fait ressortir le réchaud. Donc voilà, on peut gagner pas mal de poids. Je pense que
je peux gagner un bon kilo sur tout ce que j'avais porté. Et ça ne fera pas de mal, parce que là, c'est vrai que je ne suis plus trop habitué, moi, à porter autant. Donc, en termes d'équipement, je peux gagner un kilo. Et le sac à dos, après, c'est pas un des plus légers aussi. Peut-être avoir le sac, d'avoir un truc plus léger. Ça se trouve, avec un truc sans armature, je peux gagner presque un kilo aussi. C'est ce qui s'était passé sur mon setup pour l'été. Donc, ça peut être pas mal de gagner tout ça pour être plus confort, voire pour pouvoir après peut-être passer sur une tente 4 saisons si je veux faire du bivouac un peu plus engagé au niveau météo. Voilà, parce que la tente là, du coup, elle ferait presque dans les 2 kilos. Donc, il faudrait que j'arrive à gagner un bon kilo pour le remettre après sur la tente, quoi. Voilà, ça s'est quand même plutôt bien passé. Je suis assez contente de cette expérience. On a eu quand même des conditions météo au top. Surtout l'humidité, il y avait zéro, donc il n'y avait même pas de givre sur la tente le matin. Je ne sais pas si c'est tout le temps comme ça quand on est sur un bivouac hivernal, quand il fait beau. Voilà, quand il fait pas beau, j'imagine que ce n'est pas la même. Voilà, du coup, assez content. Le matos, ben, j'avais pris un peu trop comme c'était prévu, mais bon, c'est toujours comme ça. Avec l'expérience, après, on arrive à réduire des choses qui sont soit en double, soit vraiment futiles. Mais au début, pour la sécurité, c'est quand même toujours bien de prendre un petit peu plus. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires et des remarques. Merci. Sur ce, ben, je vous dis à l'an prochain et je vais démarrer l'année, du coup, comme je vous disais, avec une vidéo un petit peu récap sur toute mon année 2021. Voilà, avec tout ce qui s'est passé niveau matos et développement un peu personnel, physique aussi. Voilà. Ciao, ciao, petit pouce bleu et à bientôt!